L'actualité de ce matin intervient dans le cadre du verdissement de la politique agricole. Comme vous le savez, cette politique avait fait l'objet d'un premier verdissement, mais c'était à travers la grille d'analyse basée sur les ODD. Et nous sommes présentement dans le contexte des ODD. Et il faut maintenant conceptualiser cette approche-là par la validation du rapport aujourd'hui qui est soumis. Et cette validation porte sur des bonifications qui sont issues de l'analyse de la grille de la PDA par la grille d'analyse au cours d'un atelier que nous avons organisé à Silingui avec des experts notamment de l'environnement et du développement durable. Vous savez, nous sommes là pour valider le rapport. Il y a des bonifications, il y a des propositions qui sont faites pour améliorer la prise en compte de l'environnement dans la politique agricole. Donc la mise en œuvre de ceci à travers le PNISA va certes apporter des bénéfices aux communautés. Notamment, nous avons parlé de la protection de l'environnement à travers l'utilisation des pesticides, normaliser ceci, apporter encore un peu plus d'appui dans le domaine de l'agriculture pour les investissements à l'endroit des populations.